rassemblé comprend ça. Makutano mnaelewa. Mes soeurs. Madada. Il n'y aura pas une seule sœur. Akuta kuwaka ta dada moya. Qui s'habille mal. Ule kuna vuala mubaya. Et qui ira au ciel. Na kusema tenda mumbingu. Ça n'existera pas. Ana kwa ta moya. L'habillement immoral. Il est mouvoilio ya mubaya. Vous fera manquer l'enlèvement. Ita kukose shaka kunyanyuliwa. Lettre circulaire 8. Barua ya yenye kutuma kanisa munani. Dernière page. Page yake ya mwisho. Lettre circulaire 8, dernière page. Page yake ya mwisho hii barua. Écoutez. Musikie. Nous devons simplement. Tunapasha tu. Nous devons simplement. Tunapasha tu kwa namna ya mwepesi. Comprendre. Kuelewa. Qu'il ne s'agit pas de grandes choses que nous faisons. Kusema aina jutu kunafanya bitu binene. Mais bien, lakini, des petites choses que nous ne faisons pas. Ni juu ya bile bitu kidogo bina tufanye. Ah, même si je ne sais pas le tout comme ça, ça va faire. Ataka mami nacha kwa mukongo wazi itafanye. Des petites choses que nous ne faisons pas. Ni tule bitu kidogo tula tufanye. Écoutez. Musikie. Nous devons reconnaître. Tunapasha kutambua. Qu'il y a un autre esprit. Usema kuko ro ingine. Qui se cache derrière chaque désobéissance. Il est nyuma ya kila kutokuti neno. Derrière l'obéissance, kunyuma ya kutii kwa neno, il y a le Saint-Esprit. Uko Roho Mtakatifu. Mais derrière chaque désobéissance, sasa, nyuma ya kutokuti neno, il y a un autre esprit. Uko mpepo mchafu. Écoutez s'il vous plaît. Musikie wapendwa. Nous devons reconnaître. Tunapasha kutambua. Qu'il y a un autre esprit. Kusema kuko mpepo mchafu kuko roho nyingine. Qui se cache derrière chaque désobéissance. Ile ko nyuma ya kutokutii kote. Et une séduction est liée à cela. Na wakati mtu ashiti asha kutongozwa na ile pepo mchafu. Quand la parole. Wakati neno. Recommande aux sœurs. Inamuru badada. D'être naturel. Babake basili bashiweke weke bitu. Toi tu vas chercher la beauté artificielle. Wewe unaenda kujitungia urembo wako. Tu es séduit dans ce. Nikusema usha kutongozwa na mpepo mchafu. Derrière chaque désobéissance. Nyuma ya kutokutii kote. Une séduction est liée à cela. Uko utongozaji moja ivisha kufungana kule. Écoutez s'il vous plaît. Musikie na misi. Même pour ce qui concerne l'habillement. Attends, tu as mambo ne kuangalia mvuvari. Aina mimi kuna sema. Je lis la lettre sur la. Niko naisoma hapa muibaru. Je suis en train de lire la lettre 8. Niko nasoma ibarua namba 8. À la dernière page. Ou ile page ya mwisho. Même pour ce qui concerne l'habillement. Attends, tu mambo ne kuangalia kuvala. Le Seigneur. Bwana nous a montré le chemin. Acha kutonesha namna ya kuvala. À maintes reprises, mu mara mingi, frère Branham, ndugu Branham, a parlé de cela dans ses prédications. Alisema pa mambo ya mvuario mu mahubiri yake. L'esprit de Dieu, roho wa Mungu, c'est sans cesse reporté à cela. Eko na alisema sana hii mambo. Et il nous a énergiquement exhorté na, à ce sujet en ces derniers temps. Na alituonya kwa nguvu. Paï mambo ya kuvuana mwi wakati ya mwisho. L'esprit a exhorté avec beaucoup d'énergie. Roho alituonya paï mambo na nguvu yote. En rapport avec la Bible. Mambo ya kuvuania ya banamuke. Même des hommes. Hata ya banaume. Écoutez. Musikie. Il dit. Anasema hivi. J'aimerais répéter ici cette exhortation. Na mimi napenda kusema tena hiyo onyo mara nyingine. J'aimerais répéter ici cette exhortation. Napenda kumionya tena. Et engager toutes les sœurs. Na kuambia badada bote. Au nom du Seigneur. Mujina la Bwana. À s'habiller sans excentricité. Anze kuvala mzuri, hapana tumangua tufupi, tuvala mata. Sans une conduite déraisonnable. Ah, ni kusema kuongozwa na mpepo mchafu mwali moya mubaya. Le dimanche passé. Yenga hii ilipita. Les diacres ont arrêté une sœur qui est venue pour se marier. Bashemasi walisimamishaka dada mwa alikuyaka njua aolewe afanye afunge ndoa yake baunganishe. Tu viens pour te marier. Uko na kwa njua ya ndoa yako. Dans l'assemblée des saints. Mu makutano ya batakatifu. Et tu t'arranges à laisser tout ton corps à l'extérieur. Na unesha kwacha maungu yako yote nje. Écoutez.
Quand une femme veut se marier, wakati, son corps c'est pour son mari. Wakati mwanamke anaanza kuolewa, mwili ni ya bwana yake. Aina ya kuonesha watu wote. Tu dois garder ton corps pour ton mari. Unapasha kuchunga mwili yako juu ya bwana yako tu. Tu ne dois pas le porter une robe qui montre tes seins, qui montre ton corps. Au rusio kuvala mwili quand yenye kuonesha mwili, yenye kuonesha mazima. Ça c'est une vie de suie. Ile ni buchafu, ni maisha ya buchafu ile. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Mungu ashichiki anakataa ile mambo ile kuvua le vile. Donc depuis la maison, ni kusema tangia kunyumba kokule. Wewe mwenye mbele